Cet atelier aujourd'hui et pour les 3 prochains jours est un atelier de présentation du rapport national de l'examen périodique universel 2025 que la Guinée aura à passer devant le Conseil des droits de l'homme à Genève en avril 2025. Donc il s'agit pour notre pays de relater toutes les avancées que nous avons faites depuis notre dernier passage en 2020 au titre de l'OPU, notre troisième passage, les avancées qu'il y a eu en termes de promotion et de protection des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a de nombreux défis en matière des droits de l'homme et il appartient à ma direction de transformer ces défis en opportunités pour que nous puissions continuer la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi la Direction nationale des droits de l'homme a tenu à impliquer toutes les parties prenantes en termes de défense des droits de l'homme et à prendre leurs recommandations et leurs retours concernant le rapport national. C'est l'objectif de cet atelier aujourd'hui et des 3 prochains jours que nous aurons à travailler les 3 prochains jours avec les organisations de la société civile, les ONG et les membres du CNT sur leur retour en termes de rapport. Il s'agit de toutes les recommandations qui ont été faites à notre pays en 2020 lors de son troisième passage à l'examen périodique universel. Donc ces thématiques touchent aussi bien le genre, les violences basées sur le genre ou les personnes en situation de handicap ou encore les personnes vulnérables, les droits civils, politiques et sociaux, mais aussi le droit à l'alimentation et autres. Nous avons toutes les recommandations qui ont été faites et qui ont été brossées dans notre rapport pour voir les avancées que notre pays a effectuées depuis le dernier passage. Pour dire que notre rapport a été inclusif, nous avons pris leurs retours, leurs recommandations pour ce rapport national. Parce que nous saurons brosser l'état des lieux de la promotion et de la protection des droits de l'homme sans inclure les organisations de la société civile, les ONG et tous les défenseurs en matière de droits de l'homme.